en 1993. Avant d'entrer à l'université, ma fille m'a offert un poster qui est en fait accroché dans mon accueil à ce jour. C'est le tableau d'un enfant couché et de son papa qui s'agenouille pour prier, pour intercéder. Et comme le papa s'agenouille pour prier, un ange du Seigneur est à la fenêtre pour entraver les attaques sataniques contre cette famille et cet enfant. À bien des égards, ce poster révèle une toute petite partie de ce qui arrive vraiment quand les justes prient. Ce poster-là est en fait une simple illustration de la guerre invisible qui a lieu ou qui éclate quand les justes prient. Ce poster est vraiment une image visuelle très simple de ce qui se passe dans les coulisses spirituelles invisibles que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques, mais que nous pouvons voir et comprendre avec nos yeux spirituels. Et aujourd'hui, dans Daniel chapitre 10, nous verrons un homme qui est en train de prier, qui se met à genoux pour prier, pour intercéder. Et comme il prie, une guerre féroce éclate de l'autre côté du rideau invisible. Je veux vous rappeler que Daniel a tenu bon avec Dieu depuis l'âge de 14 ans, quand il a été emmené captif de Jérusalem à Babylone. À l'âge de 14 ans, il n'a pas cédé à la pression et au compromis dans le palais du roi et dans le collège du roi. Il a tenu bon pour son Dieu à partir de cet âge-là, non pas pour une période de temps, mais pour le restant de sa vie. Et maintenant, il est à un âge avancé et il sait qu'il ne pourrait jamais retourner à la ville de Jérusalem et revenir d'exil. Et c'est à ce stade-là, comme nous le voyons ici dans le chapitre 10, qu'il commence à se rendre compte que son désir personnel, que son souhait personnel, que son rêve personnel ne s'est pas réalisé et ne se réalisera jamais. Bien-aimés, je veux vous dire une chose extrêmement importante que nous devons tous comprendre. Quand nous ne prions que pour nos propres besoins, quand toutes nos prières se concentrent sur nos circonstances, quand toutes nos prières sont « Donne-moi, donne-moi, donne-moi Dieu », c'est que nous n'avons pas encore appris le vrai sens de la prière. Mais la prière qui cherche la gloire de Dieu, la prière qui cherche le royaume de Dieu, la prière qui cherche les bénédictions de Dieu pour les autres, la prière qui est offerte pour les autres, la prière qui est offerte pour le travail de Dieu, la prière qui est offerte pour prêcher l'Évangile dans le monde entier, et non seulement la prière qui honore Dieu, mais aussi la prière que Dieu honore. C'est pourquoi elle s'appelle la prière d'intercession. C'est pourquoi la Bible parle souvent de prier l'un pour l'autre, les uns pour les autres. La puissance de la prière, c'est d'intercéder l'un pour l'autre, et non pas d'être des solitaires. Certains de vous disent « Michael, tu veux dire que je ne dois pas prier pour mes propres besoins ?» Écoutez bien, non, je ne dis pas ça du tout, mais voici ce que je dis. Si votre prière est focalisée uniquement sur vous et sur rien d'autre, si votre prière vise la réalisation de vos souhaits et de vos désirs et de vos rêves et rien d'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre vie de prière. C'est ce que je dis. Et c'est pour cette raison que Jacques, le frère de Jésus, dit que ce genre de prière égocentrique ne sera pas exaucé. Écoutez-moi, Jacques chapitre 4, 3 nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Ce que vous demandez, vous voulez l'utiliser pour vos propres plaisirs. Mais il y a un principe biblique là, qui va de Genèse à Apocalypse. C'est en donnant que nous recevons. C'est en mourant au moi que nous recevons la vie. C'est en sacrifiant que nous sommes vraiment bénis. C'est quand nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, comme nous l'avons vu dans le tout dernier message, que tous nos besoins seront satisfaits avec Dieu et sa majesté et sa gloire. Et il en va de même avec la prière. La prière de Daniel était une prière modèle, car c'était une prière désintéressée. Et parce que Daniel a prié cette prière désintéressée, Dieu a exaucé sa prière d'une manière inespérée et inattendue. Il l'a en fait exaucé plus abondamment que Daniel avait jamais rêvé. Daniel chapitre 10, les versets 1 et 2, disent que dans la 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse, Daniel a prié et a jeûné 3 semaines d'affilée. Pour quelle raison priait-il ? Quel était l'objet de sa prière? Il priait pour que Cyrus permette aux Juifs de revenir à Jérusalem de Babylone où ils étaient esclaves et exilés. Maintenant, vous devez prendre un temps de réflexion, d'accord? Daniel prie sur sa face en la 3e année du règne de Cyrus, alors qu'en la 1ère année de son règne, Cyrus avait irrévocablement décrété que le peuple de Dieu peut retourner. C'était il y a 2 ans, Daniel. Ouvre les yeux, tu n'as pas entendu les nouvelles? Ça fait 2 ans que Cyrus a publié le décret qui dit que le peuple peut retourner. Pourquoi es-tu en train de prier et d'intercéder et d'implorer? Ezra et Néhémie sont déjà revenus avec un petit groupe, un très petit groupe de Juifs à Jérusalem à ce moment-là. Mais je sais ce que la réaction naturelle aurait été. La réaction naturelle aurait été, eh bien, Ezra et Néhémie et une poignée de Juifs sont revenus à Jérusalem. Et ça suffit. La réaction naturelle serait de dire à Daniel, « Daniel, tu devrais te réjouir au lieu de jeûner. » Je lui aurais dit, « Qu'est-ce qui te prend, Daniel? Tu aurais dû célébrer au lieu de pleurer. » Daniel, tu devrais être en train de danser au lieu de te lamenter. Qu'est-ce qui te prend, Daniel? Oh, mais Daniel m'aurait répondu, Michael, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ce n'est qu'une très faible minorité, une poignée de personnes qui a profité réellement de l'opportunité que Dieu a donnée. La grande majorité du peuple de Dieu vit dans le compromis. La grande majorité du peuple de Dieu ne voit pas la vérité de sa condition spirituelle. Michael, tu ne comprends pas. Ça fait 70 ans que je rêve de revenir avec mon peuple, de revenir à nos racines spirituelles. Ça fait 70 ans que je prie que mon peuple soit libéré de cet exil. Ça fait 70 ans que nous sommes dans cette culture païenne à lutter contre la tentation, à lutter contre le compromis. Et nous voulons revenir pour adorer Dieu dans le temple. Et maintenant, l'opportunité est là. Mais très, très peu de gens profitent de cette opportunité. Très, très peu de gens se soucient du travail de Dieu. Très, très peu de gens sont conscients de leurs conditions désespérées. Nous risquons d'avoir un faux sentiment de sécurité. Vraiment, nous risquons vraiment d'arrêter de prier. Nous risquons vraiment d'arrêter d'intercéder pour le royaume de Dieu et pour le travail de Dieu et pour ce pays. Nous risquons vraiment d'arrêter d'intercéder pour le travail de Dieu et pour le royaume de Dieu, et ce qui était encore pire pour Daniel. Des nouvelles parvenaient de Jérusalem au sujet de la poignée de gens partis avec Ezra et Néhémie, et qui étaient juste quelques-uns qui ont profité du décret de Cyrus et sont revenus à leur pays spirituel. Les nouvelles qui arrivaient disaient « Daniel, les murailles sont en ruine. » Et laissez-moi vous dire une chose, les murailles morales de ce pays sont en ruine. Daniel, le temple est en pagaille. Il y a très peu d'ouvriers et ils sont maintenant très découragés. Les Samaritains demandent à César d'annuler son décret en faveur des Juifs. L'opposition est tellement violente que la poignée de gens revenus sont maintenant prêts à abandonner et les restants à Jérusalem perdent l'espoir. Et c'est pourquoi ce vieil homme de Dieu, Daniel, dans le chapitre 10, tombe sur sa face devant Dieu pour prier et intercéder et supplier. Mais Dieu lui a-t-il répondu? Dieu a-t-il répondu à sa prière? Non, mais il lui a donné la vision des visions que nous allons étudier dans les 2 prochains messages. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui peut arriver quand les justes prient. À cause de la prière désintéressée de Daniel, le Christ pré-incarné s'est révélé. Le Christ pré-incarné lui-même s'est révélé. Non pas à Jérusalem, la ville de ses louanges, non pas dans le temple, la maison de son adoration, même pas dans la terre d'Israël. Où est-ce qu'il s'est révélé? Il s'est révélé en Irak, au bord du fleuve Euphrate. Écoutez-moi, bien-aimés, chaque fois que vous priez pour la gloire de Dieu, Jésus va se révéler. Chaque fois que vous priez pour les choses qui préoccupent le cœur de Dieu, Jésus va se révéler. Chaque fois que vous priez pour les enfants de Dieu, Jésus va se révéler. Chaque fois que vous priez pour prêcher l'Évangile, Jésus va se révéler. Et il va se révéler où que vous soyez. Si vous êtes à l'école, il va se révéler à l'école. Si vous êtes dans votre cabinet de prière, il va se révéler là. Si vous êtes au travail, il va se révéler là. Si vous êtes dans votre voiture, il va se révéler là. Eh bien, vous dites, Michael, comment sais-tu que cet homme qui s'est révélé à Daniel est le Christ préincarné? Oh, c'est très simple. En fait, j'ai 5 raisons. Numéro 1, la description que Daniel nous donne est identique à la description de tous ceux qui ont été privilégiés de voir le Christ préincarné et le Christ glorifié. Ézéchiel, Ésaïe, et dans le Nouveau Testament, Jean le Révélateur a donné exactement la même description. Numéro 2, il portait du lin blanc, qui est le vêtement porté par le grand prêtre, et non pas celui d'un ange. Numéro 3, son apparence a rempli Daniel de crainte. Sa splendeur a fait tomber Daniel par terre. Sa gloire dévoilée à Daniel n'a laissé aucune force en lui et il est tombé face contre terre. Numéro 4, Satan a essayé de lui résister, mais il n'a pas pu. Numéro 5, par-dessus tout, le Christ victorieux, pré-incarné, a donné une force surnaturelle à Daniel pour pouvoir parler au roi de gloire. Il me reste en fait 2 choses à vous dire au sujet de la prière. Et elles viennent de Daniel chapitre 10. Juste 2 choses. Numéro 1. La puissance de la prière est dans la persévérance dans la prière. Numéro 2, la puissance de la prière est dépendante de la justice de la personne qui fait la prière. Voyons le numéro 1. La puissance de la prière est dans la persévérance dans la prière. D'après la Bible, depuis combien de temps, la réponse est dans le verset 2, depuis combien de temps, d'après la Bible, Daniel priait? Allez, je vais vous aider un peu. Combien de semaines? 3 semaines. D'accord? Quand est-ce que Dieu a entendu la prière de Daniel? Verset 12. Je vous donne la réponse. Verset 12. Le premier jour. Laissez-moi vous le lire. Verset 12. C'est le Christ préincarné qui parle ici. Puis il a dit... Ne crains pas Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Écoutez-moi, Satan et ses démons peuvent travailler dans les coulisses dans le but d'entraver l'exaucement de la prière du juste. Mais ils ne réussissent pas. Ils échouent au bout du compte. Satan et ses démons peuvent créer des tourbillons d'opposition. Et pendant que vous priez, tout ce que vous voyez, c'est l'opposition. Tout ce que vous voyez, c'est des obstacles. Tout ce que vous voyez, c'est des impossibilités. Mais ils sont finalement déjoués. Jésus a dit que pour 21 jours, le Christ préincarné a dit qu'il a été entravé par le prince de Perse, qui est le démon, le diable responsable de Perse. Mais il a été déjoué. Il n'a pas pu l'arrêter. Maintenant, je vous prie de ne pas manquer ça. Faire la guerre spirituelle dans la vie du croyant ne ressemble pas à manger des brocolis. Certains les aiment et la plupart non. Non, non, non. C'est comme ça que certains voient la chose. C'est une erreur, c'est une pensée erronée. C'est vraiment une erreur. Si Jésus est le sauveur de votre âme, si Jésus est le Seigneur de votre vie, que ça vous plaise ou non, et que vous le sachiez ou non, vous êtes dans un état de guerre spirituelle. Vous l'êtes. Vous êtes dans un conflit spirituel avec le diable. Et il s'agit de savoir, savez-vous comment lutter et gagner, ou êtes-vous vaincu jour après jour après jour? C'est là toute la question. Daniel priait pour que le roi de Perse vienne en aide à son peuple et qu'il déjoue l'opposition des Samaritains qui essayaient de l'amener à annuler le décret. Et au même moment où Daniel criait à Dieu, ce qu'il ne pouvait pas voir, mais ce qu'il a pu voir plus tard, c'est que Satan travaillait sans arrêt. Il travaillait sans arrêt, il travaillait sans arrêt et essayait d'éliminer complètement le peuple de Dieu. Mais écoutez, bien que le roi de Perse était sous le contrôle de Satan, le grand Dieu des cieux, en réponse à la prière de Daniel, a changé la vie de Cyrus et l'a amené à obéir au Dieu vivant. Pas étonnant que l'apôtre Paul nous dise dans 2 Corinthiens, car bien que marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. La puissance de la prière de Daniel était dans la persévérance de Daniel, dans la prière. Et c'est pourquoi sa prière a été exaucée. Deuxièmement, la puissance de la prière dépend de la justice de la personne qui prie. Daniel comprenait l'importance de la prière qu'il priait. Parce qu'il ne priait pas, vous savez, Dieu guérit mes douleurs lombaires, ou guérit mes genoux, ou Dieu redresse mon orteil, ou Dieu fait ceci, fait cela. Ce n'était pas ce qu'il priait. Il priait une prière gigantesque. Il priait Dieu de changer l'histoire. Il comprenait, Daniel comprenait l'importance de la prière qu'il priait. On dit que Marie, reine d'Écosse, a dit un jour, « Je crains la prière de John Knox plus que je ne crains les armées d'invasion. » Et elle avait raison. Pensez-y, pensez-y. Un homme de 87 ans, dans un pays lointain, qui prie et qui change le cours de l'histoire. N'est-ce pas fantastique? Vous devez vous cramponner à cette vérité. Bien-aimés, la puissance de la prière est incalculable, surtout quand vous priez de grandes prières, quand vous faites confiance à Dieu pour de grandes choses, quand vous demandez à Dieu de manifester sa gloire et de manifester son pouvoir, il le fera. Croyez-vous que le diable ignore le pouvoir et la force de l'armée de Dieu Si elle s'unit dans la prière, croyez-vous que le diable l'ignore? C'est pourquoi nous avons des milliers les dimanches, mais des centaines dans les réunions de prière. Vous voyez, le diable le comprend. Nous ne le comprenons pas, mais le diable le comprend. Mais il y a quelque chose d'autre au sujet de la puissance de la prière que vous ne devez pas manquer. C'est très, très important. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la puissance de la prière dans la Bible ne veut pas dire qu'il y a une puissance dans la prière offerte à Dieu. Non, non, non. La puissance de la prière ne veut même pas dire que la personne qui prie est puissante. Non, 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 non. Quand nous parlons de la puissance de la prière, c'est une erreur terrible quand les gens parlent de la puissance de la prière. Mais quand nous parlons de la puissance de la prière, c'est la puissance de Dieu qui agit en réponse à un engagement sans réserve dans la prière. Ça, c'est la puissance de la prière. Laissez-moi répéter. La puissance de la prière est la puissance de Dieu qui agit en réponse à une dépendance sans réserve vis-à-vis de Dieu dans la prière. Pas toutes les prières sont des prières efficaces. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, voici ce que dit Jacques, le frère de Jésus. La prière agissante et fervente de l'homme juste peut beaucoup. L'ancienne traduction dit est très efficace. Que veut-il dire par prière du juste? Que veut-il dire par la personne juste qui prie? Voici ce qu'il veut dire. Écoutez-moi avec soin. Il veut dire que seuls ceux qui n'ont pas d'incohérence entre la façon dont ils prient et la façon dont ils vivent, seront efficaces dans leur prière. Je veux répéter, seuls ceux qui n'ont pas d'incohérence entre la façon dont ils prient et la façon dont ils vivent seront efficaces dans leur prière. Maintenant, Dieu peut exaucer la prière qu'il veut. Je ne vous dis que ce que je sais de sa parole. Seuls ceux dont les vies sont cohérentes, seuls ceux dont les vies plaisent au Seigneur. Vous voyez, la prière n'est pas une formule magique. La prière n'est pas une ruse secrète dont vous vous servez pour manipuler Dieu et l'amener à faire ce que vous voulez. Non, 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 c'est du paganisme. La seule prière puissante, la seule prière durable, la seule prière efficace est celle qui est vraiment l'expression d'une vie de justice, et celle qui est l'expression d'une vie cohérente, et celle qui est l'expression d'une vie de piété. Évidemment, Daniel ne s'attendait pas, en fait, à voir le Christ préincarné juste devant lui. Vous savez, c'est la chose merveilleuse au sujet de Dieu. Je me rappelle plusieurs fois dans ma vie où je priais pour quelque chose qui est complètement pour la gloire de Dieu, et tout d'un coup, Dieu me donne beaucoup plus que je n'avais jamais rêvé ou que je n'avais jamais imaginé. Daniel priait simplement, Dieu, montre-moi ta volonté, révèle à mon peuple ta volonté. Mais le Christ préincarné s'est révélé. Et à cause de l'humilité de Daniel dans la prière, à cause de la prière désintéressée de Daniel, à cause de la soumission de Daniel dans la prière, à cause de la persévérance de Daniel dans la prière, Dieu a dévoilé sa majesté à Daniel. Et Dieu lui a assuré que tout ira bien dans le futur, parce que Dieu gouverne le futur. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.